Zamitaï, plusieurs chrétiens vivants perdu la vie en bas coup de zam. Ti monsieur dans Kokorat Seras, et bien action ça qui passait dans Godaïve. Ti monsieur Kokorat Seras qui fizié plusieurs moun dans troisième section Dessaline qui était dans Tibus qui t'a battu pour l'entrée en bas dans la coupe Port-au-Prince. Mais finalement ti monsieur dégagé là, yo débarqué exam, yo fait massacre. M'balgué pour me venir avec toute dernière information pour vous. Action ça mes frères et sœurs amis, vous pour regarder là, c'est exactement dans Maïsad. Jeune garçon ça va regarder la tour ça, monsieur qui t'a tout il y a un chauffeur moto et puis prend moto hein? Donc la population finalement prend toa et puis au bali bois calé. Il y a une vidéo, il y a une pile image que je vais partager avec vous-même. Je vais prendre des têtes, est-ce que vous avez regardé pour ça, moi je là dans le pays là. Mes frères et sœurs amis, commissaire Muscadet frappé toa hein? Encore. Donc pour Pibiti, yon grain a joué un baron encore une fois. N'a dit bravo à la commissaire Muscadet qui va jamais suspendre faire causer. Qui s'est passé dans le pays d'Haïti? T'as pris souple, veillez côté machine, ça passe, tout le monde qui est en Haïti, yo. Plaque ça, veillez quel que soit côté le fer, c'est TP08657. Attendez bien, oui, TP08657. Et puis, mes frères et chers amis, depuis numéro ça, après l'eau, 34-09-78-36, m'brio en grâce, Fontitan, et fait tout ce capable pour dépêcher, voyez, monsieur Sahayo, voyez numéro à la police. Vous pouvez le saisir, connaît, qui zak malhonnête machine ça, car numéro ça, n'est que ça va faire en bas dans la coupe de prince. Bonjour, bonsoir, vous nous tout qui ça cap passé dans la Tibonite bagay la mongomé plusieurs moun a perdu la vie yo ou pral comprendre qui ça cap passé pendant toute journée entre temps pas capable bonne nouvelle la Besap guerre civile la pas loin éclaté parce que monsieur Besap yo sémanté 7 fois 77 fois quel que soit Jean Sayé li très 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 impossible pour nèg pas bâché après Ariel Henry me répéter parole chef Besap la tout ça qui est Joseph Jean-Baptiste. Bonjour bonsoir pour nous tout comment oui est-ce que dans forme maman Pemba chaye pa kont lan, c'est nous qui la caillou, nous c'est FS News Haïti. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bagarre la compliquée dans le pays d'Haïti. Bourrique chargé pas campé. On a exactement dans ça qui gawe avec une série d'informations qui est extrêmement importante. Attendez bien, en pile, la chrétien vivante arrivé perdu la vie dans une situation extrêmement difficile. Et ça a passé dans la troisième section de Saline, côté Yontibus qui t'a pralé Port-au-Prince, qui était Gonaïve. Et bien, messieurs qui n'ont pas Kokorata Saras, yon rale Zamio, yon pété balle sous Tibus là. Plusieurs passagers la donne prend balle. Ak plusieurs autres qui mouri ak so sa qui indigné reste mab nan population nan Godaïve qui notamment chaque jour a demandé ak l'état central la tant pri fait tout ça capable nous connaît pour que nous capable résoudre des problèmes ça puisque insécurité généralisée capable taille banda ka pouvè kol à travers tout pays là si on bagay tout haïtien pas ka contrôler mais tout haïtien ta remè gen contrôle li mes frères et sœurs et amis. Donc ti monsieur nan bas koko atsanga sans forme moyen image là m pa konnen comment m'a fait fò gadel sou pa ka bien wè là ou pral antre dans groupe Telegram nan et wap justement marqué image base koko atsanga massacre et puis m'a bò tout détail ba m fè une fonti tande quand même. Ça vous le gagne. Ça vous le gagne. Mesdames, mademoiselles et messieurs, attendez bien. Bagala c'est qu'on s'allie dans Gonaïve. L'autre information qui a dominé actualité à tous so ceux qui sont dieux. Mais population finalement dans Maïsa d'Abaito à Boakale ou ta capable ouais monsieur capable bouler dans souffrir dans sang donc moun yo prend monsieur yo prend diet monsieur yo ba mi sans pile bâton qui s'est passé et ben monsieur yo qui a notamment donc monsieur ta prend un jeune garçon monsieur sur regarder sur écran bon côté là donc qui gagne une moto et ben tout li avancer
li fizye zami sa, li tuye zami sa, justement, donc pour le capable à faire tête li plaisir. Et puis monsieur prend moto jeune garçon, et ben peuple a décidé dans Maïsad on action qu'on ça pas qu'à passer pendant nous mêmes nous exister. Moun yo prend to hein, en algadi. Ou ap tande, ou ap wè. C'est sûr et certain que l'image ou pas qu'à là encore une fois plongé dans le groupe Telegram après émission ça ou pral kon ki sa kap passe ou après ou pas rien qu'à pas entrer dans le groupe Telegram non mesdames mademoiselles et messieurs parce que bagala li vraiment compliqué mes frères et sœurs et amis gagné plusieurs cadavres jeudi à 25 janvier ça donc qui après la rue en bas dans pays d'Haïti t'es gagné cadavre sous boudon t'es gagné cadavre bord yon maquette surtout dans capitale là il y a plusieurs cadavres dans plusieurs villes de province si nous t'a capable garder dans fond des nèg si nous t'a capable garder dans Gonaïve nous t'a garder dans Martissant garder dans Mariani donc grand pile mort donc est-ce qui ça passé pendant journée hein en pile mauvais grain tombé donc ça qu'arrivé gonba arrivé mais en pile mauvais grain tombé pendant journée ça. Mes frères et sœurs amis, donc on a profité pour que nous disions gagne pile prudence pour faire en dans pays. Moi pas le quitter ou dans quelques temps mais bon grain bagaille m'dame mais faut comprendre. Et plaque machine ça mesdames mademoiselles et messieurs veillez tout côté à ou passer, tout côté joindre, veillez plaque machine ça parce que li ka fait gros dégâts. Elle commence à faire gros dégâts déjà. Donc et numéro téléphone ça que nous te baouan, c'est 3409 78 36 si monsieur ça yo en bas en Haïti yo a pas comploté pour alimenter pirate pas oublier non pour ça moi gang pour ça moi faire moun le ou faut kidnapping donc en pays ça et puis mon cher pour gagner des bagages a fait toujours donc son bagage qui horrible mesdames messieurs il y a des nèg qui justement sans honte et au pape cham est suspendrité dans niveau ça parce que yo fait pour mourir sans honte dans ça qui gagne ouais à la question bsap la société par la vraiment compliqué toujours surtout entre la police nationale d'Haïti et agent bsapio pas oublier team ce bsapio qui notamment campé en zone pleding yo fait connait malgré gens ça y est quelle que soit nature bagala là yo pape cham by chance. Il y a toujours combattu, il y a toujours fait tout ça qui possible pour résoudre problème dans personnellement. Et ben ti monsieur Bessapio sous bois par la société, il a décidé camper goumé en face de la police parce que il y a pile là yo a essayé montrer yo pas gagné plan pour al attaquer commissariat yo, mais plutôt yo gagné plan pour capable marrer code neuf coup crabe Ariel Henry. Que monsieur Ariel Henry sans droit, sans qualité, sans attribution, sans pouvoir, tu as décidé avec ces soi-disant ministres de facto de l'État pour révoquer le DG de l'ANA et de BESA. En l'occurrence, Maître Jean-Tel Joseph. Alors, nous dit Maître là parce que, en plus, il est aussi avocat. Donc, c'est un confrère que je défends là. C'est extrêmement important. Donc, pour nous, d'abord, expliquer à la population que M. Ariel Henry n'a ni pouvoir, ni autorité sur les directeurs généraux. Et ce n'est pas M. Velfofo qui dit, c'est l'article 142 de la Constitution de la République en vigueur qui dit et que les directeurs généraux sont nommés par le président de la République qui détient à lui seul et de manière exclusive cette qualité, cette compétence, cette attribution. Merci. Donc, l'en entendez que M. Ariel Henry, avec soi-disant ministre Lio,
tu as pris une décision pour t'a révoqué le DG de la NAP et de BESAP, nous quittons les considérations politiques de côté. Nous avons été dans les considérations constitutionnelles et normatives et juridiques. Donc l'article 142, pas mal pour voir ça. Il n'y a pas mal d'attribution ça. Allez voir l'article 158, l'article 159, l'article 159.1, l'article 160 de la Constitution de la République, qui n'a pas l'attribution ça. Et la Constitution est claire quand il dit et que l'el pas bon yon pouvoir ou pas capre pouvoir ça. L'el pas bon yon attribution ou pas capre attribution ça. Et les attributions de Premier ministre, je ne pas dire de M. Ariel Henry non, parce que je ne pas trop quoi que le Premier ministre. Donc, il y a environ 8 à 9 attributions pour le Premier ministre. Et toute l'autre attribution que vous ajoutez sous lui, ou tomber sous le coup de l'article 21 de cette même constitution qui dit toute attribution que constitution papa ou que ou pral faire un crime que est le crime de haute trahison. Et il dit à l'article 21.1 que ce crime les condamné à travaux forcés à perpétuité. Par contre, si M. Ariel est conseiller et juridique, moun qui bon côté, qui peut expliquer, ça va dire là, mais il y a la Constitution. L'article 21.1 de la Constitution. Les constitutions pas bon attribution. Par exemple, les M. Ariel Henry nommé le président de la Cour de cassation, qui est une tâche, une attribution exclusive de la Constitution, il est tombé sous le coup de l'article 21. Donc, il fait un crime. Donc, de haute trahison et non seulement ça, les tombés sous le coup de l'article 145, 146, 147, 148 et 150 du code pénal. Parce que les ça, les tombés de sa relais excès de pouvoir et abus d'autorité. N'importe qui n'a pas fait droit, qu'a compris ça, il est excès. Tout le monde connaît ça, il est excès. D'ailleurs, il y a un principe qui dit excès en tout nuit. Donc, et le ça, des moun ka di par exemple, je parle avec un groupe de moun, il dit oui, mais et pour aller par devant, et pour article 21, hein, l'application, c'est pas aller par devant, recours de justice, nous pas de recours de justice, nous dit, mais pas de problème. En aller kounia pour abus d'autorité, excès de pouvoir là, ça c'est attribution tribunal de droit commun. Ça c'est attribution le parquet. Ça c'est attribution tribunal de première instance. Lorsque tombé dans excès de pouvoir et abus d'autorité, et le ça n'a saisi commissaire gouvernement, n'a établi excès de pouvoir et abus d'autorité. Et le ça, M. Ariel Henry avec tout ministre, pral nan problème. Et m'a signalé en passant. Ouais, je dis là, en pile monde qui était dans l'État, yo t'a fait des autres parce que yo t'es gros chef. Yo t'es gros potorik. Yo t'a fait des autres. Gampil là de je dis à qui n'a marron. Gampil là de je dis à quoi la police, en devant yo pas arrêté manger. Gampil là de yo début de sirène. Yo courir rentre en bacabane. Monsieur Ariel Henry, nan zak li pose la contre directeur général là. M'a parlé de directeur Anapla. Comme s'il pensait le carré vocal. C'est route sa mouè la pour avec tout ministre. Pour qui ça me dit avec tout ministre? Parce qu'il est dit. Et que tout zak que le premier ministre a posé. Et que le ministre a endossé la belle. Et bien, même route le premier ministre a pris. Il a pris même route là tout. Donc si vous parlez dans le pénitentiaire. Si Ariel Henry l'a pris dans le pénitentiaire. Vous parlez dans le pénitentiaire avec. Deuxième objectif conférence de presse, c'est pour nous dire. Et que nous avons les voies de recours. Et quelles sont ces voies de recours? La loi du 17 mai 2005, il est clair. Et que lorsque il y a abus d'autorité, il y a excès de pouvoir, et que les citoyens, les fonctionnaires de l'État, les victimes d'un abus d'autorité, les saisit la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et bien qui ça la Cour va le faire? La constater, est-ce que Ariel a droit pour faire bagarre comme ça? Et si la Cour constatera qu'il n'avait pas ses attributions, il n'avait pas cette autorité, il n'avait pas la compétence pour le faire, la Cour cassera cette décision, la dit arbitraire et illégale, et la demande pour yo mettre en place. Mais faut une petite parenthèse. Nous même cabinet avocat cap défendre, Cap défendre DG Jean-Tel Joseph, d'abord dans sa qualité d'avocat, confrère,
Et pas plein, nous venons plein là, non? Parce que ça fait bien longtemps, ministre. Et institut ça presque pas existé. Parce que depuis les affaires bagay canal là, son institution que l'État central l'a paralysé. Si nous ne pas contre ça, nous disons ça. Yo pas bayo ni moyen, ni support, rien. Yo paralysé. Parce que les premier ministre Ariel Henry, Terele, DGA, Limandel pour retirer. Ajo Bessapio sous canal là parce que peuple nord-est a demandé bayo sécurité pour construire canal de la dignité. Que nous tout là d'accord, moi tout poste belle poste que nous faisons pour canal là. Et bien, Léon et DG Jotel, en sa qualité de DG de la NAP, en sa qualité de dirigeant et responsable de Bessap, les 10 ministres là, les 10, monsieur Ariel Henry, mandé ministre environnement pour le bon instruction formelle parce que nous pas capoter responsabilité ça pour contre moi. Égaré, oye, ministre écrit ça, oui. Li écrit et li mandé DGA retirer agent Bessapio. Et les DGA mandé qui motif? Pour qui motif pour me retirer, mes amis? Si, faut bon motif, pour que ça vous mette comme motif? Parce que le gouvernement dominicain pas d'accord avec la construction canal. Donc, même moun kap dirige Haïti, je dis, moi n'a bêtisé avec yo. Ce sont des traîtres. Ce sont des conseils, ce sont des gens qui comptent l'intérêt national. Et, par devant cette situation, les agents de Bessap, nationalistes de leur état confirmé, ils ont dit DGA, si vous décidez d'aller dans voie ça, vous quittez tête à Napla, nous-mêmes, nous continuons à sécuriser le canal là. Et trouver leur situation, l'obligé de prendre parti pour la population et avec la décision des généraux de Bessap. Et bien, il dit, m'a campé bon côté peuple haïtien, m'a campé bon côté peuple nord-est. Ce qui a été fait, et canal l'a construit. Mais yo papa donné ça. Yo papa donné ça. Et jodia, yo tapé un bon moment pour yo faire. Dernièrement là encore, il a fait des chantages. Pour yo dit, oui, n'a pas tué notre poste, n'a pas tel l'autre gros poste. Mais il faut nous faire pour nous craser, mais ça là, parce que le ministre de la justice, notre ministre de la justice, bon, qui dit ministre de l'injustice, pour quelle raison, vous avez raison. Notre ministre de l'injustice, merci. Lidi, ministre territoire perdu. Lidi, moun ki gen zam nan men yo, pas problème dans le pays. Moun ki assiège pays dans Canaran, ça pas problème. Moun ki a kidnappé moun dans le pays, ça pas problème. Moun ki fait que diaspora pas ka rentrer dans le pays, ça pas problème. Et là, un journaliste a demandé, qui est-ce qui problème nan? Lidi, Bessap qui problème nan? Les modèles pour qui savent ça problème non parce que yo pas gagné contrôle de ça les ministres li pas gagné contrôle comment ça veut dire m'baye garé donc ça veut dire l'autre monde qui pas problème yo gagné contrôle yo c'est ça s'il veut comprendre n'a comprendre donc nous venons là aussi la conférence de presse pour nous lancer un appel à la population pour nous lancer un appel aux confrères avocats de la République attendez jodia. Ce n'est pas une question de Jean-Tel Joseph. C'est une question de la dignité nationale. C'est une question de position pour le peuple haïtien, pour le canal, pour la production nationale. Et tout le monde qui t'a trahi, Jean-Tel Joseph, parce que tu as pris décision pour ne pas retirer l'argent, si nous t'a trahi, la nature a permis nous ça. Nous pas qui doit pour nous trahir. Pour nous trahir. Parce que tes propositions pour peuple haïtien pour canal la te construit, ce qui a été fait.